Fini comme le vieux, ça finit Ouais. comme le vieux, et ça finit comme le vieux. Et... Dos de cul! Et ça. Ah, c'est pour ça que je. D'accord, c'est pour ça que ça lag. Un peu lente, ouais, la sauvegarde auto. Ouais. Un peu trop lente. Oh, mais vous cherchez la merde! Ah, parfait! 14 000 fanatiques. Ouais. Ça t'apprendra à prendre mes territoires. Mais je prends pas tes territoires, je te protège. Ouais, c'est ça. Allez vous faire enculer. C'est des connards, les Français, vous le savez, ça. Ah, ça, oui. Et c'est la base. Oh là là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Pause. Non. Je vois un peu la situation. Non. Ça suffit, la pause. Il y a rien de grave qui se passe. Ah non, c'est rien. Oui, c'est rien, enlève la pause. C'est ridicule, en fait. Fausse alerte. Sur la fausse alerte. Ça suffit, hein. C'est toi qui suffit. Attention. Hein. Toi qui suce. Mais c'est toi qui suce. Qui suce qui? C'est vous. On va le savoir. Oh, les Français. Tous les Français. Tous les saucisses. Tiens, j'ai Brunet au rival. Oui, moi aussi. Carla Brunet. Non, ta gueule. Non, putain, le vieux qui rigole en robot. Ouais, c'est magnifique. Ah, j'aurais bien voulu entendre. Non. Si. Non, non, vous auriez pas voulu entendre, je vous promets. Quoi, c'est si grave que ça? Non, c'est gay. Bah, justement. Non. Sigomar. Non, moi j'y sais gay. Défends ma revendication. Ah, un Sigomar, il est d'accord. Elle dure combien de temps la trêve oh, là? Fuck. 10 ans je pense. Je sais pas, tu regardes. T'en parles en 8-9 ans. Pays, France. Mais vous êtes gay moi... Ah bah avec moi 4 ans, avec toi 4 ans, avec Dadakot 2 ans. Putain, fait chier 4 ans quoi. T'es blanche quoi. Ouais, dans 4 ans on y retourne. Oui. Dit, il faut réussir à se préparer en 4 ans, c'est ça le problème. On n'aura pas le temps. Non, moi c'est bon. C'est faisable si on fait des bateaux de guerre en fait. Faut les intercepter avant qu'ils arrivent. Ça changera pas les 14, les 40K qui. Si on les intercepte avant qu'ils arrivent. Qui traversent la Russie, non, ça changera rien. Ah, ils passent par la Russie, ces gros cons. Ah bah oui, je t'ai dit, ils sont mieux à pied. Mais il faut s'allier avec la Russie. Ça c'est pas possible, ils sont alliés à la France. En fait, c'est une très bonne idée, du coup. Inventer les relations. En plus, ils m'aiment bien. Ils sont là, c'est sac. Eh, les Français, vous êtes chez moi, là. Désormais, vos 37K sont à moi. Mais il va désarmer l'armée, comme ça. Vous êtes chez moi, boum. Et hop, ça c'est. Voilà, on améliore les relations, on suce la bite de tout le monde. C'est ce que je fais. La France, la Russie, l'Autriche. L'Empire Ottoman. Non, peut-être pas. Ouais. Si, je suis l'Empire Ottoman. L'Empire Ottoman, ils sont loin pour l'instant, c'est pas une menace. Non, moi ils sont à côté. Avec un peu de chance, ils vont détruire un peu la Russie à un moment donné. Avec un peu de chance, ils vont te détruire. Nye. Je veux tout détruire d'un seul coup. Ouais, mais faut pas oublier un truc, Sigmar. Faut pas oublier le. Mais c'est pas ça. De faire une alliance avec la France. Très important. Je le savais. Je te confirme que faire s'allier à la France, c'est impossible.
pourquoi. Tu peux même pas faire de mariage avec parce que. Oui, mais ça c'est normal que tu puisses pas faire de mariage, mais après. T'as pas besoin d'être marié pour faire un mariage. Au maximum possible, puis il veut pas parce qu'en fait on est trop loin d'eux. Oui, mais il y a d'autres moyens d'augmenter les trucs après. Ouais, mais. Puis toi, effectivement, t'es loin, mais moi j'ai les colonies à côté. Le problème, c'est qu'ils ont l'attitude hostile envers moi, en fait. Du coup, c'est à moins. Mais moi, ils sont pas du tout hostiles. Ils veulent juste pas parce que j'ai pas assez, j'ai pas d'armée. Ouais, ouais, mais moi, le truc, c'est qu'ils refusent complètement parce que. En vrai, Ils ont attitude hostile envers moi, quoi. Je pense que si je me fais une armée, ils vont peut-être accepter parce qu'il manquait juste quelques points. En soi. Quoi ça? Des pays cherchent des compagnies de mercenaires. Ah bah bravo! Non, c'est pas vrai. Je sais pas qui t'a dit ça. En fait, ça veut dire quoi? Que tu cherches à les acheter ou? Ouais, apparemment, mais en fait, c'est pas le cas. Ouais, ça se met des trucs automatiquement comme ça. En mode gay. Ah ah. Ah ouais, mm-hmm. Des fois, c'est. Je crois même que c'est arrivé sur vous que vous recherchiez des mercenaires alors que vous n'avez rien fait. Oui, c'est arrivé sur nous tous. Ouais, ouais. C'est comme le fait que tu m'insultes alors que c'est pas vrai. Même non, si, ça c'était vrai ça. Non, au début du jeu, non. Non, mais le début du jeu... Il compte non, pas. Mais le jeu, parfois, il décide de... Le début ça compte du pas. Jeu, c'était il y a longtemps, ça. On a oublié le début du marre. Jeu. C'est pas moi. Regardez les fanatiques Shinto en Micronésie ancienne vieux là. Ouais, je sais, je les ai eu déjà. Je les vois tout le temps. Alors, comment ça se passe? Ah, vous vous sentez gay maintenant, hein? Eh bien, non. Il y a des fanatiques Tengrist là, 15K qui veulent se rebeller. Bah, qui viennent, je les attends. J'en ai marre de dépenser la puissance militaire dans vos petites gueules. Mais en plus, ils sont ennemis avec les Français, les Portugais, là. Il y a un truc. Sinon, je deviens Tengrist. Ça peut... Mais le problème du Portugal, c'est qu'on peut pas être allié avec eux directement. Parce qu'ils sont... Hein? C'est quoi, ça? Ils sont une dépendance de l'Autriche, quoi. C'est ça, le problème. Oui. C'est mal poste. On peut soutenir l'indépendance du Portugal. On peut, mais est-ce que ça va... Auquel cas, lorsqu'il se révoltera, on sera en alliance avec... Bah ouais, mais du coup, on va s'en prendre plein la gueule aussi. Faut que je rassure la France. Je sais pas comment je vais faire. Que genre, on va s'en prendre plein la gueule le jour où... Ça dépend, on est peut-être trop loin. Hein. On peut tenter si tu veux, si tu veux te le tenter, moi je suis d'accord. Vous voulez soutenir l'indépendance du Portugal? Parce que le Portugal est dépendant de qui? De l'Autriche. Ouais. Disons qu'en fait, le Portugal, ça pourrait être notre solution contre la France. Ils sont ennemis avec la France. Le problème, c'est que... Non, c'est pas un problème. Et qu'ils ont des... Le truc, c'est que les colonies du Portugal vont toutes se révolter. Ouais. Parce que le Portugal, c'est trop faible. Mais là, à part le Portugal, je vois pas qui d'autre pourrait nous aider, quoi. Des enculés de Français de merde, hein. Moi, je sais. J'ai la solution. Et c'est quoi, la Champac. Oui, voilà. Mais... Un Pérou espagnol. Mais Champac, il est pas là. Comment ça, occupation d'Izumo? Qu'est-ce qu'il y a? Il se passe. Je me fais prendre le Japon. Sérieux? Par qui? Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ces ottomans là? Mais ça... Qu'est-ce qu'ils foutent là? Appelle-moi à la guerre, j'ai 22K qui sont prêts à en découdre. Bon, mais c'est plaisir. Je sais pas. Putain, j'arrive pas à trouver. Attends, je me mets à la frontière maintenant. Et hop, le Japon devient malaisien. Hop, game over. La Guinness la plus totale, quoi. C'est bon, je suis prêt. Je ne m'attendais pas à ça.
Mais d'où ils viennent ces cons-là? Ah, ça, si tu le savais. Moins le malin. Allez, en avant, allons péter la gueule. Ils aussi. Viennent de là. Moi ouais, j'aime pas ça les autres. Non mais sérieux là? T'as perdu? T'as 20k contre 5k et je me fais des... Ah, ils sont niveau 68, c'est pour ça. Putain, mais c'est pas possible. Le jeu infaisable, quoi. Ah ouais, bah oui. Parce qu'en militaire, ils sont à 68. Okay. Là, à part se cheater et se remettre des niveaux militaires, je vois pas comment on s'en sort, quoi. Allez, hop, appel aux armes, Takeda. Oh putain, mais ils sont chez moi déjà, ces gros cons là. Mais non, vous battez pas avec les bateaux! Non! Ça dit, c'est des bateaux de transport, mais j'ai l'impression que même mes 10 navires légers vont perdre contre leurs 6 bateaux de transport. C'est. La différence de niveau militaire qui est sauce. Vraiment trop gay. Eh oui. On est mort. C'est bon, j'ai mis mes autres vaisseaux légers dessus, donc ça devrait leur niquer leur vaisseau de transport. Oula. Voilà. Concrètement, t'as 20 000 hommes qui étaient juste armés d'épées qui ont foncé sur des galtings, quoi. Ça. Sur c'est trois galtings. C'est vraiment de l'abus, ça. Inattendu. Le problème, c'est que la puissance militaire, elle monte pas, quoi. C'est ultra lent, quoi. T'as-tu pris des conseillers? Mais j'ai pas les moyens. C'est... Ouais, puis même avec des conseillers, ça augmente. J'augmente de plus 8. C'est qu'il faut payer 1008 pour monter d'une technologie, alors que. Non, pas tout le temps 1008. Ouais, enfin là pour moi c'est 1008 actuellement, mais le truc c'est. Moi c'est 1157. En fait, le truc d'Atacote c'est que ça va au moins 3-4 fois plus vite pour des Européens, quoi. C'est sûr. C'est que les mecs ils doivent dépenser dans les 500, 400, enfin des trucs comme ça, quoi. Et t'es déjà plus avancé de base. Du coup, ouais. Nous on en chie. Surtout que maintenant ils arrivent sur nous. Ouais, j'ai construit des manufactures, ça a bien diminué, mais c'est bon. Après, je sais pas s'ils ont été. S'ils ont fait ça, genre les Japonais au début ils ont du mal à évoluer, mais à partir d'une certaine époque ils évoluent plus vite que les autres ou un truc comme ça. Si, quand ils s'occidentalisent, un truc comme ça. Je sais plus si ça y est encore dans le jeu de base. Toi. Avec Extended. Extended Saucisse. Eh bien... Je suis presque level 58 en technologie militaire.
Bravo la Suisse qui est à la Renaissance. Moi, ce qui me fait chier, c'est que je suis entouré du coup. Si je décide de prendre un territoire, ça va être même pas connecté au mien. Là. Ouais, là c'est. Tenko, La Russie, elle est juste énorme quoi. C'est ça, puis en bas, Tenko a tout pris donc. Sigmar. Ça sent le jus de douleur hein, cette histoire. Je vais les coincer sur mon île principale. Ah, ça c'est une bonne idée ça. Je vais retirer la forteresse en tout ça. Fortefesse. Ah, l'Espagne contre les Ottomans. Un grand duel. Vous auriez pas pu attaquer la France plutôt ? Ça aurait été mieux. César. Nous arrivons en vue des cons. Tu peux me libérer un territoire? Ouais, je vais le faire, j'attends que ça soit revenu à 22k en fait. Voilà. Wouah! On gogole! Comment se parle bien que je puisse faire une armée pour reprendre le territoire? Allez, Tengris. Et voilà, nouvelle technologie de prix. Bravo. 58. Un militaire. Oh, moi 58. Militaire, moi. 58, oh, ça va pas tarder non plus, mais bon. Je suis déjà 58 depuis un moment. Moi, je suis à 59 déjà. Ouais, mais moi, j'ai commencé, pis ça me coûte. Comparé à Tenko, là, mon prix est beaucoup plus élevé que le sien aussi, là. Je suis à 57. Un niveau de moins qu'il y a. Ça, ouais, vous, vous avez pas avancé en fait. Ah bah bravo, si. Comment ils ont fait pour passer en fait J'ai pris au moins un niveau, mais même s'ils ont les territoires, j'ai le bateau. Quoi. Ouais, mais ils ont les territoires. Même s'ils ont les territoires, le bateau, ça fait qu'ils. Ils ont les territoires. Hein. Mais normalement, ils passent pas. Ils ont les territoires, ça fait que le bateau ne fait rien. Mais c'est gay. Eh non, ça faisait pareil quand ça marche pas dans l'autre sens. Je sais pas si les Mongols me rapportent beaucoup. Je gagne combien? Non, ils me donnent rien. Rien. Ils sont tributaires, mais ils me rapportent rien. De sac. Que t'ailles leur demander en diplomatie un peu. Ça fait chier qu'on puisse pas faire comme dans... Je pense qu'ils touchent rien en fait. Comme dans Cossacks là, et on leur met des navires de guerre sur la gueule, ces enculés. Mon roi est mort. Moi j'ai un Sanada qui est mort. Wouah. Ouais, c'est triste ça. La trêve avec la France vient de terminer. Tu sais comment on peut fêter ça? Comment? Comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité à la guerre, je pense. Une guerre de cul. Une guerre contre des Ottomans, monsieur, c'est... C'est pas des Ottomans. Non, ah oui, là-bas, c'est Brunet. Des Arabes. Ah, c'est Brunet. Ouais. C'est des Arabes, Brunet. Oui, mais fallait le dire que c'était eux. Ben, c'est eux. Je t'ai dit que c'est pas des Ottomans. Oui, non, mais oui, mais tu m'as pas dit qui c'était. Reprends tes territoires, reprends tes territoires, reprends tes territoires. Non, mais je vais me faire dégommer si j'y vais maintenant. Mais non. Bravo, maintenant ils prennent mes territoires. Ils prennent une forteresse, tu divises tes trucs en plein de petits milieux, et tu reprends tous. Évitez-moi pas, je veux pas rejoindre moi. Si, tu veux rejoindre. En avant. Non. Ok, de la côte, appel à la guerre. Non. Appel aux armes, confirmé. Non. Voilà.
toi depuis le début on t'aide et tu fais rien, et hop, voilà. J'ai aidé tout le monde, puis je me suis foutu dans la merde, alors fuck you. Ils ont refusé, parfait. Leur prestige dégringole. Ah oui. Toi, je te rappelle dans un mois. Pas d'armée, alors. Je te rappelle dans un mois. Oh le mec. Il va te faire foutre. Foutre. Ça va pas te bailler comme ça là. Possible. Ouais, je fais bailler les gens moi. Possible. Tintin. Milou. Ah mais dis donc. Non mais dis donc. Le Saint-Empire est protestant. Dis donc. Yeah. Ça arrive. Ouais. Pas très sain tout ça. Hein. Ils aiment protester, écoute. C'est des guéclins les protestants. C'est vrai. C'est vrai. Ah bah ça. T'es sérieux? J'ai pas d'héritier puis j'ai même pas de femme. C'est à cause de toi! C'est triste. Calme-toi toi. Non, j'ai plus de prestige, comment tu veux que je me marre? C'est moi. Gros, je t'ai fait récupérer un terrain. Effectivement. Ah, la Corée et la Russie se sont alliés. Ah, intéressant. Ça, dommage, j'avais mal. Ça c'est bien pour Sanji, mais. J'allais malier la Russie. Et si Sanji était là... Ah, je peux le faire. Offre d'alliance Russie aussi. Oh, il y a de la chasse. J'ai plus de prestige. Moi, non. C'est bon. Ouais, moi, c'est... Moi, c'est mort. Moi. Pas, mais... moi, il me déteste. Ouais, c'est normal. Ah non. Mais vous êtes gay. Pas ça. Je vous ai pas demandé de revenir, bande de sacs de... De sacs. Tant de sacs, de sacs. Ah, noblesse Imagawa, 34k. On a découvert plein de voilà, trucs. Voilà, j'ai trouvé une femme dans mon propre pays. Félicitations. Du coup, j'ai eu un fils automatiquement. Un fils. T'as eu des fesses automatiquement? Apparemment, ça baisse vite. On a chacun entendu un truc différent, c'est ça qui est bien. Quand on est gay... On est bon. Allez, dépêchez-vous de débarquer, putain de merde. Non. On a des arabes à buter là ce soir. Ça c'est vrai. Pas que ce soir. Ah, les 1K de Sigmar. Ils sont là. C'est ça. C'est des grands comme les Aztèques. Ouais, ah, Zou n'est plus mon rival. Les Aztèques. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont surtout gays. Devant toi. Oui, ils sont gays. C'est ce qu'on dit. Ça, je sais pas. Ah, mais si, vous le savez. Ouais, ils sont gays quand on vient de le dire. Attends, on parle des Aztèques. Ah, oh, oui, ils sont gays. Ah, la noblesse Team Magawa. Ah, les 34K, ça serait bien qu'ils tombent sur les 11K. Faudrait les rappeler. Faut genre virer le vieux de la guerre et comme ça ils reviennent ici et ils tombent sur les 34K de la noblesse. Bon, comment on faisait pour chercher un pays où... Pourquoi me virer de la guerre, ça sert à rien. Ça. La flèche en dessous de la carte. Ok, merci. Alors, Nanbu a pu à la guerre. Le mec. Oh, va chier. Sigmar, il a la dent dure. Ouais. Pas que la il dent. Il veut ruiner Dakota, quoi. Va chier. Voilà, Nanbu, -46 de prestige. Oh, tranquille. Oh.
À te faire inculer. C'est mignon. Non, c'est pas mignon. Ils disent des mots d'amour. Ah bah bravo. Ta gueule. Pas mieux. Ouais, bravo. Bon, j'ai rien fait, moi. T'as tout juste assez d'hommes pour reprendre ta forteresse. Eh oui. Et j'ai perdu. Ils sont de mes territoires, toi. Assume. T'as décidé d'accepter. Sors de mes territoires, Tenko. Arrête de te cacher comme un petit gué. Mais je suis pas caché, moi. Oui, t'as tes chevals qui chient sur ma capitale. Mais c'est normal, c'est parce que je suis en train de rassembler mes hommes qui sont sur diverses îles à droite à gauche. Ah, je m'en fous, pas de battre. Oui, sors de mes territoires. Une fois que je serai rassemblé... Non. Un particulariste, Imaga. Ouais, faut pas être stupide à un moment donné. Non. Oh non. Ça, c'est pas demandé pour elle. Il n'y a rien passé. Je me suis fait défoncer ma flotte sur le chemin. Ah oui, je les vois, oui. Sur la côte des Ryukyu, là. Ouais, bah j'ai officiellement plus de bateaux, donc je peux pas rassembler mes troupes. Ouais, les 24 bateaux, c'est vrai qu'ils piquent un peu, mais faudrait pas qu'ils arrivent sur le blocos de bateaux que j'ai, en fait. Ils ont l'air de se tenir là-bas, en fait. Je sais pas pourquoi, ils s'approchent pas, ils restent dans le coin. Bon, bah maintenant, faut qu'on arrive à se rassembler avec ce qu'on a, hein. Du coup, j'essaye de surveiller la mer pour pas qu'ils me prennent en cortège là, parce que les 24 bateaux, ils ont l'air de partir vers le bas, mais... Bonjour. Au revoir. Pouf. Ils sont à quel niveau? Ouais, c'est vrai. Ils sont en fin de la guerre. Ah. Ah. Bon. Je me suis fait exploser mes bateaux pour rien, c'est ça que t'es en train de me dire? Ah, j'ai 500! J'ai obtenu 500! 500 quoi? C'est 500 piécettes. Le vieux aussi. Ah bon? Y'a que moi qui ai rien gagné. 500 piécettes, moi? Ah, ça remet d'aplomb, ça, un peu. Ah, si, j'ai gagné 50, d'accord, c'est intéressant. Je crois que j'ai gagné 10, moi. Je crois que j'ai eu tout, en fait, quasiment. Ça doit être en fonction de la participation. Oui. Nous pouvons adopter une institution. Bah oui, tout à fait, allons-y. Hein. Moi, je suis d'accord. Ça. Manufacture, bah oui. Ouais, ça, mais du coup, ça coûte cher. En fait, c'est comme ça qu'on adopte des institutions. Il faut gagner beaucoup de fric. C'est comme ça qu'on enlève notre problème de retard. Ouais, mais ça a l'air d'être disponible en fonction des époques aussi, petit à petit. Oui, mais du coup, en fait, ça se passe avec l'Ufric. Donc, en fait, au lieu de dépenser bêtement, faut qu'on garde. Ouais, il faut garder. Ouais, tout à l'heure, j'ai enlevé pas mal de pourcentage sur... Bah là, c'est 44% de moins, hein, donc... Donc ouais, en fait, faut qu'on économise notre fric, en fait, c'est tout. Ouais, ce qui fait qu'au lieu de devoir dépenser plus de 1000, je dois dépenser 745. Donc c'est beaucoup mieux. Ouais, moi je suis à 900 parce que je suis plus haut que vous, mais... Et ouais, faut économiser le pognon. Eh oui! Bon, et la France, elle veut toujours pas quoi que ce soit. Bah, non. Tant mieux. Car elle est dans son coin, la France. Ouais, non, mais elle est hostile et elle veut pas rien savoir. Oh, la Russie, mais quand je vois ça, ça me donne envie de chier. Moi, je m'en fous, c'est mes alliés. J'ai plein d'événements qui veulent que je sois en guerre avec les Takeda. Les mecs en superficie, c'est les plus grands, clairement. Ça, c'est le destin, Sigomar, hein, ouais, tu diras ça. Tu crois que les 33K, j'ai une chance avec 22K dessus ou pas? Non, je pense pas. Ouais, même s'ils ont pas de commandant. Peut-être avec Tenko, si on se réunit tous les deux, on peut les saucer. Je ramène un grand. Les 33 000 de noblesse Imagawa, en fait. Reprends mes territoires. Déjà, il va falloir que je me refasse une flotte. Ah oui, là, j'ai pas spécialement besoin si on se rassemble. Mais... Ah, du coup, les 11K, là, d'Arabes, ils sont coincés. Bah oui. Ils sont coincés au Japon, les mecs. Non, ils peuvent bouger avec leur bateau de transport. Ouais, s'ils arrivent à amener les bateaux jusque-là, ouais. S'ils en ont encore.
Bon, ouais, faut que je refasse une flotte, moi ça me fait chier. Ça me fait chier! Ah! J'avais une bonne flotte. Les fanatiques Shinto. Fanatiques gays. Chez les Français. Ah, ça! À qui le dites-vous? Voilà, un grand homme est arrivé, on peut attaquer. Qui? Moi, je peux attaquer personne. Sadasuke, c'est avec Akibara. Général 3 étoiles. Ah, on peut attaquer. Ah, fin de la trêve avec le France, ça pique par contre. Oui. Ça sent la sauce qui suce pas là. Oh non, ils sont gentils les Français. Non. Bon, à la fin du siège, on avance. Est-ce que tu crois que ça suffira avec ça? Non. Et hop, le vieux, ramène-toi. Mais où? Sur Kyoto. Sur les séparatistes à Kyoto. Ah! Sur le. On refait l'assaut de Kyoto. C'est parti. Attention, j'arrive. La noblesse Imagawa Imagawa. Grande noblesse. Ah, le vieux l'attaquait. Le maître Putain, Tao. Le vieux, il est dessus, quoi. Ah ouais, moi, oh, mais pas en fait, peur, même le vieux tout seul, il l'est saucé. Hein. Oh, ok, d'accord, ok, pardon. C'est vraiment des vieilles merdes, en fait. Maître Tao, maître Lao. Maître Gay, maître Luigi. Maître Gay, Luigi. Le maître Sauce, maître Sus. Peut-être pas. Oh merde! Oh, fais chier, puis comme j'ai pas de bateau, je peux pas y aller. Pas de bateau, pas de bateau. C'est vrai. C'est une vérité. Et tout à fait. Il n'y a pas moyen de saucer une colonie genre qui est en train d'être faite. Une si. Colonie de quelqu'un qui est en train d'être faite sans lui faire la guerre, j'entends. Non. Chier. Français de merde. Merde de français. Ça. Tout. Les Français. Bah. Séparatiste malakaise. En vrai, il y aurait moyen peut-être. S'ils acceptaient en fait de se rebeller, c'est la Micronésie française, on aurait la paix. Le problème, c'est qu'ils sont loyaux envers la France, ces gros cons. Ah, mais les Arabes, là, en fait, les 11K, c'est pas les mecs qui sont devenus des séparatistes. Oui, c'est parce qu'en fait, leur pays a disparu. Ah ouais, puis là, je suis en train de me faire défoncer la gueule. C'est ça, tu te fais leur vieille armée. Qui est toujours aussi puissante technologiquement, certainement. C'est ça. Putain. Félicitations. Ouais, mais putain, mais les Français, ils sont en train de coloniser absolument tout. C'est toutes français, ces hein. Petites îles de cul, ils sont dessus, quoi. Ah, les Français, ils s'emmerdent pas, hein. C'est des connards. Oula. Et voilà. Ces chiens galeux de Français nous ont déclaré la guerre. Ah bah c'est à Imagawa cette fois-ci. Ah, et la Russie est avec eux. Ah putain, ils sont sérieux. Bah je crois que... C'est peut-être bien pour ça qu'ils l'ont fait à toi et pas à moi, comme j'étais allié à la Russie. Oui. Je peux pas venir parce qu'avec la Russie en plus. Tu veux que je vienne ou pas? Comme tu veux. Bah, c'est toi qui me dis. Je m'épose parce que sinon ça va valider tout seul. Putain, de séparate. C'est toi qui me dis. Si tu veux que je vienne, je viens. Mais... De toute façon, tu peux venir, ils vont rien te faire à toi. Ils veulent quoi en fait? Bah, tu sais, parce que si je viens, la Russie, ça va peut-être. Ah, faire... d'accord, en fait, ils attaquent Kyoto, les Français, c'est des mecs comme ça. Ah bon? Les mecs, oui, ils veulent Kyoto. Ils veulent Kyoto, prendre la capitale, Kyoto. What the fuck? Guerre impérialiste française. Ouais, les mecs, ils arrivent à avoir des casus belli sur ça, comme ça, quoi. What the fuck? Ouais. Okay.
on est comme ça. Comme j'ai dit, là, la tactique, c'est les bateaux. C'est le seul truc qu'on peut faire, c'est les empêcher de débarquer. J'ai plus de bateau. Ouais, il m'en reste 15 de transport. Moi, j'ai 22 bateaux légers et 3 bateaux lourds. Mais ça suffira pas. Non, c'est vrai. Vas-y, retire la pause, c'est parti. Tu fais quoi? Bah, retire la pause, c'est parti. Mais c'est parti quoi? Bah, je sais pas. Mais j'accepte ou je refuse l'appel aux armes parce que... Accepte si tu veux, comme tu veux. Mais c'est toi qui dois me dire, je te dis. C'est oui ou c'est non, quoi. C'est comme tu veux. T'es chiant. On est mort. J'accepte. Oh là, bon. J'ai accepté. Quoi qu'il arrive, on est mort. Ouais, mais moi, j'accepte. J'accepte de mourir avec les Imagawa. Voilà. Ouais. C'est un peu l'idée. Oh putain, des enculés de merde, hein. Oh, ah, mais je les ai saucés, bien. 15 de lassitude. Ah, l'Afrique du Sud française, c'est de la merde. Mmh, je leur ai niqué leur bateau, là. Ils avaient deux bateaux lourds et je les ai niqués. Niquez-vous. Je vais essayer de rentrer quand même. De belles révoltes en approche. Tu peux pas la baisser ta lassitude? Non, j'ai 15 de lassitude et j'ai 100 de puissance. Ah bah bien. Bah ouais, c'est... Les Ottomans qui ont un âge d'or, ils ont besoin de ça. Ouais. Ah putain de merde. Et comme j'ai plus de manpower, je peux pas recruter. Ah, nouvelle nation coloniale. Bah bravo. Le Pacifique en avant. Non, c'est Shimazu maintenant. Non, Pacifique en avant. Pacifique gay. Voilà. Du coup, ils se font saucer par la Micronésie française. Félicitations. Non, je les ai saucés. Mais du coup, tu peux reprendre la colonie française qui est au nord. Oh putain, par contre, la grosse... Oh là là. Oh, 74K. Oh 74. Voilà. 15 lourds, 19 légers, 40 transports. 40 transports, là, c'est toute l'armée qui arrive. C'est les 30K, ça. Ah, là, la France nous attaque sur Moluques. Mais ils traversent juste, je pense pas qu'ils arrivent. À 09K, ouais. Non, ils arrivent jusqu'ici. Ouais, 09, c'est des mecs comme ça. La grosse flotte, quoi. Ils ont même pas assez pour prendre la Provence. Mm. Ouais, mais le problème, c'est que même si je sortais une troupe ici, je pourrais pas les saucer parce que, à cause de leur niveau militaire, je pourrais pas. Ah, mais du coup, mes Shimazu, ils ont une armée. Et du coup, tu peux prendre le siège, enfin, le. Tu peux prendre la colonie qui est juste au-dessus. Ouais, enfin, la prendre. Bah ouais, tu la prends. Moi je peux l'attaquer, mais ouais. Ça va pas me la donner, quoi. Je vais l'attaquer, mais d'abord je récupère celle du bas, si tu veux. Je le veux. Mais il y a plus rien à coloniser par ici, c'est chiant. Ils ont tout pris. Si, il y a en Australie, c'est tout ce qui reste. Et il y a le milieu de Brunei, mais qui est impossible à choper. C'est le Bornéo là, c'est la Guinée. Oui, je sais.
Putain, mais en vrai, les 74 bateaux, s'il y avait un moyen de les saucer, ce serait bien. Quoi. J'amène mes 22K avec tes hommes ou pas? Oh bah... Si tu veux. Qui d'autre veut mourir? Bah nous. Ouais. En vrai, je surveille les mers parce que dès que je vois les 74 bateaux arriver, je range les miens. Si je peux éviter de perdre mes bateaux connement, ce serait bien. Sur les bateaux, en fait, je les vois pas. Ils étaient en bas, en fait, et ils arrivaient vers ici, ils faisaient route. Ah oui. Ah oui, là, il y a un peu plus de Français au sud. Ah, ouais, ah vous bon, nous avez rejoint cette fois-ci. Bah oui. Bien. Ah, ça y est, ils ont attaqué Darou, les Sauf enfoirés. J'ai plus de flotte et j'ai plus d'hommes, mais... Faut résister à l'oppression française. On va peut-être pas tous se mettre sur la même province, par contre, parce que l'attrition, elle est un peu gay. Beaucoup gay. On se met sur des provinces juste à côté, quoi. Mmh. Et Datacote, elle est pas dans la guerre. Eh non. Datacote est vassalisée des Français. C'est la surprise. Et la Russie, du coup, elle est vraiment contre nous, en fait. Avec mais n'empêche que moi, 47K, je... hein. Mais c'est con parce que. La Russie. C'est con parce qu'on était en alliance, quoi. Et du coup, ça fait que c'est la guerre. C'est la guerre avec la Russie alors que ouais. J'étais en alliance avec eux. Quoi. Ouais, tous les territoires qui sont en or, moi c'est. La fin. En fait, on est. En fait, le truc au Japon, c'est qu'on est obligé de rester au Japon, quoi. Pas que, mais un petit peu. Mais c'est surtout qu'on est divisé en 4 qui fait qu'on peut pas se rejoindre non plus. Oui, ça aide pas non plus. Mais bon. Ouais, mais même dès qu'on essaye d'aller ailleurs, en fait, on se fait déglinguer, quoi. C'est 11-4 séparatistes turban jaune là. Ouais, mais je peux pas me les faire ces arabes là. On les laisse, on sait jamais, les Français ils pourraient se taper dessus avec, ça peut toujours. Ouais, bon après faudrait pas que je me retrouve avec un territoire arabe en plein milieu du Japon. Oh, vous savez. Ah, ah c'est super ça. Eh ben, j'étais pas au courant. Félicitations. Les infidèles de Sri Jawa ont déclaré la guerre. À Inoshishi ? Ouais. C'est qui ces gays là ? C'est les mecs à côté de chez moi là-bas. Ah ouais, c'est des Indonésiens. Ouais, c'est ceux qui ont pris Malacca justement. Ils sont chiants en fait. J'ai absolument rien à faire. Je peux pas m'occuper d'eux moi. J'ai appelé personne en plus. Bah ouais, mais ça est automatique. Non, on est appelé automatiquement. Ah, d'accord. Je reviens. Est-ce que si je t'offre du fric, tu me lâches, toi? Ce que je peux essayer de faire. Ouais, avec la France, ça marchera pas, je pense. Il veut quoi en fait? Il veut ça. Ouais, il veut les terrains là. En fait, il veut que celui-là en plus. C'est nickel. Le problème, c'était que la France, elle veut que les territoires qui sont pas à nous. Yeah. Viens. Qu'est-ce qu'il a fait hier? Fortnite, 3 parties, jeu déjà désinstallé. J'avais vu un jeu aussi chiant. Okay. C'est gay parce que admettre la défaite, ça leur ferait plaisir, mais ça... Oui, je sais aussi. Ah, mais il y a la Corée en plus là-dedans.
Il y a la Corée contre nous là ? Non, il est avec nous en fait, je crois. Ouais, la Corée est avec nous dans la guerre contre les Malaisiens. Les alliés, ah ouais, moi je suis pas dans cette guerre hein, par contre. Bah non, parce que vous êtes pas alliés avec moi. Ah non, ils veulent pas de paix, ces gros cons. Bon, peut-être que la Corée va amener des bateaux et s'en charger avec de la chance. Hein. Non, bah non. Oh là là, 11k. Gay quoi. Mais ils sont niveau 68 aussi en truc de guerre, les mecs, quoi. C'est pas... Ouais, on peut rien faire. C'est pas possible. La France, encore, on peut la contenir, ça, comme dit. Vite fait. Ils ont que 15k aux Moluques, là, la France. Le problème, c'est que moi, là, j'ai deux guerres d'un coup, du coup. Ouais, moi aussi. Ouais. Mais bon, au moins la Corée est utile. Dans la Russie, on va prendre tout ce que j'ai au nord. Voilà. Cela dit, comme c'était mon rival, Sri Raja, là, je sais même pas pourquoi il m'attaque. C'est quoi le casus belli? Je peux le voir ou pas? Oui. Et où je le vois? Il est pas de partout. Ah, c'est prendre Sukadan, ouais, fait chier. Ça aurait pu être un truc de connerie de rival et ça aurait pas été un problème du coup. Putain, les mecs ils ont mis 20k là-bas, tranquille. Ils s'amusent. Mais c'est bien, c'est parce qu'ils ont pris les trois trucs et ils sont toujours à 0%. Le problème c'est qu'ils prennent le bateau et ils vont sûrement aller prendre les petites îles à côté là aussi. Chier. J'aime bien ma colonie qui ne fait juste absolument rien. C'est... Alerte! Qu'est-ce qui se passe? Il y a des indigènes... C'est toi l'indigène. Ah, je suis mort en plus. Ah bah, c'est toi qui es mort. Ah, la Russie arrive. Aromasa 2, Nanbu est mort. Elle est revenue d'Anakot ou pas? Apparemment pas. D'Anakot, elle est morte. Deux. Ouais! Non, ça suffit. Ça fait du bien, ça.
Ça fait du bien. Bon. Une bonne nouvelle. Pas moyen d'ordonner au Shimazu de faire quelque chose. Non. Ils sont chiants. C'est pas leur mission. Ils sont casse-couilles. PD enculé de merde. Mal baisé. Bon. Eh bien, c'est la fin de Japon par entraînement. Ah. Carrément. Ah bah, il n'y a pas de choix, là. Pourquoi ? Parce qu'on se fait saucer. Mais non, mais t'as des 34 populations Imagawa, mais si jamais la France arrive ici, ça peut justement les saucer, c'est bien. Oh. Il est temps de faire un rakiri. C'est ça. Un rakiri. La reine va désormais gouverner Nanbu. Bravo la reine. Attends, c'est quoi déjà ? Ouais. Ah, c'est ça. Bravo. Ah. C'est la merde. Tiens, je viens avec toi. La France, je pense que c'est gérable, hein, parce que... Comme bah. Dit, là, ils sont gays, je sais pas où sont passés leurs bateaux, ils ont que les 15K qui sont en Moluques, là. Mm. C'est juste les Sriwi Jiawa qui font chier à s'être alliés en même temps, en fait. Faudrait que la Corée, elle aille les saucer, mais elle a pas l'air décidée. Ah ouais, ils sont comme ça. Ils viennent se suicider. Non, ils m'ont vu arriver, ils ont fait du temps. C'était bien, Japon, pas entraînement. Maintenant, on fait une partie normale. C'est pas censé être une partie normale? Bah, pas à la base, non. À la base, dans ce jeu-là, tu joues pas le Japon, quoi. Bah. En fait, le. Si, mais. Enfin, ce qui fait que cette partie est pas forcément une partie normale, c'est qu'on a divisé le Japon. Mais après. Ouais. Puis t'as le mode aussi. Bah, oui, mais le mode. En même temps, peu importe la partie qu'on fera, on le mettra à chaque fois, je pense. Bon, il est pas si mal le mode après. Il sert pas à grand chose. Bah, il permet de jouer à d'autres époques, quoi. Ça. Oui, donc là il sert à rien. Notre prochaine partie. Bah, là, oui, du coup, oui. Enfin, à part à jouer une partie prolongée, si on va au-dessus voilà. De la date. Ouais. On est mal barré pour y arriver, mais. Notre prochaine partie, ça sera Stellaris entraînement. Voilà. Ok, quoi. Notre prochaine. La partie en prévision pour être importé dans Stellaris. Ok, quoi. Notre prochaine partie, on l'a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ok, quoi. Et je prends tonton. Ou alors, on l'a fait à l'époque où c'est Chirac qui dirige la France. Ok, quoi. D'ailleurs, j'ai vu dans le jeu, il n'y a pas François Hollande. Tant mieux. Mais il y était en plus avant. Mais ils l'ont directement remplacé par Macron. Monsieur. Quoi ? Vous avez 18K Takeda là, dans les îles de cul des Moluques. Ouais, mais c'est où ? Oui, là, oui. Bah oui, les 18K, mais... Vous êtes dans la guerre ou pas ? La guerre contre les Sriji ou... Ah non, vous êtes pas dedans, vous êtes pas mon allié, c'est chier. Vous auriez pu aller les saucer, là. Je peux y aller à pied ou pas? Oui. Ouais. Mais ouais, mais comme vous êtes pas dans la guerre. Cela dit, je peux peut-être vous faire une offre d'alliance et vous mettre dedans.
Ah, il faut passer par Brunet. Ouais, je peux vous appeler. Je vous appelle ? Ouais, bah ouais. Moi, le mieux, c'est que j'utilise ma flotte si je peux, mais j'ai peur de croiser des Français. Non, 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 non. Les flottes, c'est pas les Français le problème. Ils ont une flotte de 24 000 qui traîne dans le coin, donc... Mais ah oui, mais il y a... Ah oui, c'est les 10K qui sont chez Imagawa, là. Ouais. Vous pouvez pas passer par Panay, là ? Poisson ? Il y a un jeu général, par contre, dessus, parce que... Oui. Je sais pas où c'est. Faites gaffe parce que 10K, mais bon, comme ils sont level 68. Ah, nouvelle institution. Colonialisme. Moins 50% sur le coût des technologies. Arunabu, c'est Agusa. Et du coup, les technologies, elles coûtent combien là ? Moins 600. Cher actuellement. Ah, c'est mieux ça. Ouais, les coûts sont raisonnables là, pour l'instant, en ce qui me concerne. Depuis que j'ai fait une. Ouais, ouais. Il faut garder des sous en fait, c'est vraiment ça. Bah ah ouais, on est à 2%, tu peux peut-être tenter un truc. Après, on n'y avait pas accès tout de suite hein, à ces améliorations. Hein. C'est... Je pense que ça dépend des époques aussi. Non, c'est maintenant depuis les mises à jour. Tu peux leur proposer un truc ou pas ? Une seconde, je regarde. Ah, sinon, on attend encore, hein, ils vont s'épuiser comme la dernière fois. Mais... On peut voir l'évolution chronologique de comment c'était au début. Bravo. Oui. J'ai plein de sauce. Offre de prêt de la Suède. Et Vivien qui m'offre un prêt. Yeah. Seulement. C'est ce que je me disais. Non, y'a rien de neuf. Oh, mais ils sont sérieux, ils sont arrivés là, eux ? Oui, oui, surprise. Les Srijiwa Jawa qui sont arrivés au Shimazu, quoi. J'avais pas vu. Surprise. Putain, mais c'est quoi ces enculards de merde là ? Surprise. Ah, pas vraiment surprise, c'est surtout gay. Surprise, motherfucker. Donc c'est une surprise en fait. Je vous jure. Ils ont pas de général, peut-être que je peux les saucer les 10K. J'ai peur. Vraiment peur. Ah, j'ai perdu. Pardonnez-moi. Quoi ? Mes bateaux ! Donc je peux pas gagner contre eux, ils sont trop forts. Non, mais on peut plus gagner. C'est fini. Pas contre les Srijawa, mais la France, on peut les gagner à l'attrition. On peut juste se faire la guerre entre nous. Ouah non, c'est bon. Hop, il a déclaré la guerre. Putain, les Français qui reviennent. C'est vraiment parti. Oula, les Russes sont en haut là. Ouais, depuis quelques années maintenant. Et Tchouk-tchouk. Ça fait un petit moment. Ah, les Tchouk-tchouk. Des bons enculards de porc. Des enculards de porc. Ah, un héritier. Oh putain, j'avais pas envoyé ces gros cons là. Allez, au boulot! Ramenez-moi du pognon, putain de merde. Ramenez-moi du pingas. Oui. Putain de merde. Oh
Ramenez-moi du Pingas. Voilà, grand héritier. Ah. Un grand héritier? Vraiment? Un grand gay. Le dernier Imakawa. Le mec. C'est quoi?